C'est la conférence de l'Alliance Les Paix où annonce le grand meeting et le grand rassemblement du dimanche 12 octobre. Au sein de l'Alliance Les Paix, il y a un feel good factor, il y a une confiance et il y a le sentiment qui nous peut aller vers une mission et qui nous peut tourner une nouvelle page de l'histoire. Mon cause l'eau l'entente, mon cause le feel good factor, mon cause l'eau la confiance au sein de l'Alliance sous le leadership de Sir Aniru Jagannath. Mon camarade là nous joigne une fois par semaine pour passer en revue l'actualité, les priorités, la stratégie et les initiatives de l'Alliance. Ce qui nous besoin faire, quand nous, à la tête du pays, nous besoin œuvrer pour l'ensemble de la population. Et les peuples pédias ont dit « Retourne-moi mon pouvoir ». Nous sentons qu'il y a une lame de fond qui dit que les peuples viennent dégoûter avec Navin Ramgoolam comme un premier ministre, qu'il y a un bilan terrible. Nous tout connaissons, l'éclair. Le Second République, c'est un mythe. Et le Prime Ministership de Béranger, c'est un mirage. C'est une alliance qui n'a pas créé aucune synergie. Il n'est pas porté d'une mission, d'un espoir. Il n'est pas intéressé avec les grandes préoccupations des peuples. Nous tout connaissons qu'il y a une tension et tiraillement dans toute circonscription. Et il me prend à témoin ce que Paul Béranger lui-même dit hier dans Flac. Il dit comme ça, il fait une campagne agressive contre Anil Bétou pendant des années. Il dit sur un partisan, oubliez, nous tourne pas. Il dit Bétou peine droit de veto dans le numéro 9. Et il finit à annoncer lui-même qu'il prenait le ministre mauve au numéro 9. Mais qui prérogative Navin Ramgoolam? Vous pensez, moi, qu'après le 12, beaucoup de choses pour clair. Et que le Mauricien, il peut trouver qu'il y a un horizon, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un soleil. On nous dit quoi que santé, soleil levé. Et nous pouvons causer un langage carré-carré, un langage de vérité, une promesse qui nous peut tenir. Il est extrêmement important. Toute promesse qui nous peut faire le 12 nous peut tenir. Pareil comme on a fait dans le passé, et moi je suis content aussi de dire que le meeting sera présidé par le camarade Sao Kata du Soudan. Nous avons une longue liste orateurs parce qu'il nous les représente l'arc-en-ciel mauricien, et nous donnons donc rendez-vous à tout le mauricien qui croit dans notre destin, qui croit dans notre pays, être présent à Vakoir le 12 octobre. Mais ça coûte quand nous trouvons Vinis Adela ensemble, Béranger Ramgoolam. Première image qui frappe dans le salon de la télévision, c'est des gens arrogants. L'arrogance de Béranger lui saute aux yeux. Et l'arrogance de Navin Ramgoolam avec son sourire nord-ouest qui est là, il crève l'écran, il fait ou gagne père. Alors, on a une alliance arrogante. Derrière à l'arrogance là, il y a une dictature qui peut annoncer. Cette alliance là, l'état où Getli, où trouver une alliance en désordre. Jamais on trouve des gens qui font une conférence de presse. Dans conférence de presse, chacun peut contredire son camarade tout de suite. Le minute après, qui Ramgoolam causé ou ça Béranger causé, chacun peut contredire son camarade. Elle l'annonce en désordre. En désordre, d'abord causé et d'abord fait. Ramgoolam fait signe que tout ce qui Béranger dit, il fait signe que ça n'a pas arrivé. Une série, l'une cause Ring Road, l'une cause Airbus, l'une cause métro lésé, Ramgoolam fait signe. Tout ce qu'il peut dire, ce bandit d'une fausse, les contraires. En des autres, juste pour montrer Béranger qu'il
route, pas trop loin. Et Béranger Sangoula, lui, il nous a montré l'équipe patron de l'Alliance. Alors, jusqu'à quand ça peut aller, nous ne pas connaître. En tout cas, c'était l'Alliance des autres. Et première fois, nous trouvons l'Alliance qui va dirigeant en déphasage avec les autres électorats. Ça, l'Alliance-là, il fait existe entre Ramboulam et Béranger. L'Alliance-là, l'autre terrain, pas encore faire entre les militants et les travailleurs. C'est une image qui très cruelle qui vous trouvez l'autre terrain. Comme dit, pas capable, ça qu'elle. Côté de la travailleuse, MMM, pas là-bas, côté de la MMM, nous pas capables de prendre destin, nous pays, mettant une alliance en désordre. L'alliance des peuples. Ce nom même infini Diao qui est dans une communion entre les dirigeants avec l'électorat. Entre dirigeants avec les partisans, et dans une communion. Bande leaders, c'est des hommes-là qui ont oublié comment on a dû dire que c'est le peuple qui est le véritable souverain, en premier et en dernier lieu. Le peuple recherche un projet de société qui mette le citoyen plutôt que les dirigeants politiques au centre de leurs préoccupations. Et quand l'élection vous venez, le peuple, vous faites un dirigeant, là, comprend que quand vous faites politique, il ne faut pas faire politique pour où, mais vous faites politique pour le peuple. La démocratie, ce n'est pas un gâteau qui vous partage en grand et petit. C'est le droit que le peuple il faille, il la guerre pour gagner l'élection. Et aujourd'hui, le peuple est activé pour la définition de son destin. C'est un plaisir qui marque hier la venue de Bishnu Espinaraïdou dans l'Alliance des peuples. Nous devons recréer un climat économique pour qu'il y ait un investisseur créateur d'emplois durables vienne à Maurice. Assurer plus de transparence, d'accountability dans la conduite des affaires publiques. L'Alliance des peuples. L'Alliance des peuples, encore une fois, sera présente à Bakoua et gêne-nous pour que nous écoutions le message des dirigeants du parti.